Je suis avec Sancho de Cuba, que le Sancho pour la salsa. Yes sir. Un autre unboxing, celui de la Marvel Collector's Corps. Yes. Sous le thème de facile, Hulk. Yes sir. Oh yeah. Oui. On a un retard incroyable, on essaie de le rattraper au plus vite qu'on peut. On va unboxer la boîte de décembre sur le thème de Hulk, mais malgré mon retard, la boîte aussi est arrivée en retard. Pendant les congés des temps des fêtes, plus la folie du côté de la poste, je l'ai seulement reçu début janvier, donc... Voilà, on va l'unboxer seulement maintenant. Passons tout de suite donc à l'unboxing. Voilà, donc moi, comme je l'avais dit à Mathieu de sa déboîte, je m'attends simplement à une continuité de la boîte de Thor, donc plus de Hulk du MCU, même si le dessin me fait un peu penser aux comics. Mais bon, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Voilà de quoi ça a l'air. D'accord, on va commencer avec le t-shirt. Oh, Bruce Banner qui se transforme en Hulk. Oui, pourquoi pas. J'aime bien. Voilà. Oui, très bien, très bon t-shirt. Voilà, continuons. Oh. Qu'est-ce que... Une balle anti-stress à l'effigie d'un Dorms de Hulk? Voilà qui est approprié. Ah ouais, j'aime bien. D'accord, continuons. Ah, voilà, un keychain Thor Ragnarok. C'est Hulk en gladiateur. Voilà, c'est de ça que je parlais. Une petite continuité. Parce que la pop est un 6 pouces. Tu es courte. Oh, oui. Ah, d'accord. Je dois leur donner. C'est Hulk et Bruce Banner. Comme on a pu les voir dans le premier comic Hulk. Donc, oui. Donc, un Hulk gris. D'accord. Ouais. Pourquoi pas? Donc, tout le monde surpris. De ce côté-là, je dois leur donner. C'est une belle surprise que je ne m'attendais pas. Et un patch... de Hulk et la box est vide. Donc peut-être pas la boîte la plus folle qu'ils aient faite, mais une belle surprise du côté 6 pouces avec une pop dedans, une pop de taille normale. Donc c'est très intéressant. De l'autre côté, le keychain, je m'attendais vraiment plus d'articles de ce genre là. La boule anti-stress est vraiment intéressante. Et sinon, ben, le patch et le t-shirt. Si je dois choisir un article que j'aime le plus, je pense que j'irai avec la balle anti-stress pour justement être le plus approprié dans une boîte de Hulk. Voilà, calmer ses nerfs et tout. J'adore. Mais je veux savoir, vous, dites-moi là dans les commentaires, quel est l'article que vous avez le plus aimé de la box. Et comme à l'habitude, ben, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu, souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et...
Et encore une fois, moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.